On est avec notre ami Marc et Renaud. On va commencer le Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Je sais que Philippe a déjà fait un PDF avec ça, mais au cas où, le voilà. Donc la grille, elle tourne en 2x8 mesures. Alors, ici, j'explique les accords. Les accords se jouent uniquement sur les cordes Ré, Sol, Si, c'est-à-dire la quatrième, la troisième et la deuxième corde. Le Sol se joue sur les cordes à vide et on joue avec les trois doigts. Ici, le doigt 1, 2, 3 de la main droite pour les droitiers. Donc on rentre les trois doigts dans les cordes, pas trop profondément, hein. On pose sa paume ici sur le bord tout près du chevalet, hein, et on tire dans les cordes, mais on n'éloigne pas sa main de 2 mètres, hein. On reste à proximité et tout de suite on replonge les doigts dans les cordes. On joue uniquement le premier temps pour l'instant. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 3, troisième mesure Do. Le Do va se jouer en barré. Cinquième case, le Ré va se jouer en barré 7e case et le La va se jouer en barré 2e case. Et on suit la grille, hein. On est parti. Ce sera bon pour aujourd'hui. Donc la fois prochaine, on retravaillera cette grille-là, évidemment, mais on verra la fameuse superposition de l'accord 1 et l'accord 4, c'est ça qui sonne typiquement Rolling Stones. Donc quand on joue un Sol, par-dessus le Sol, on joue un Do, sur les mêmes cordes, mais ça j'expliquerai ça la fois prochaine. C'est ça le truc des Rolling Stones, tu vois, Ré. Chacun des accords vient s'additionner ce qu'on appelle l'accord 4. Donc si je joue sur Sol, que je monte de 4 degrés de Sol, j'arrive sur un Do, hein. Sol, La, Si, Do. Do. Et on joue sur le même cordes. Et le truc, c'est le même partout. Ça, faut pas le faire aujourd'hui, hein. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est juste se mettre la grille dans les doigts et dans la tête. Ça va? Et la fois prochaine, on viendra. En fait.